Bonjour, je m'appelle Emmanuel, je propose des services de bricolage et de jardinage. Depuis 1999, je travaille pour une mairie, je suis fonctionnaire territorial. Avant d'être employé territorial, j'ai travaillé dans le bâtiment parce que j'ai un diplôme de maîtreur en bâtiment. Donc le maîtreur en bâtiment, son rôle, c'est de faire les devis. J'ai choisi de me mettre à mon compte, tout simplement parce que j'avais le désir d'être mon propre patron. Et puis j'aime travailler beaucoup travailler de mes mains. Travailler dans les jardins, c'est vraiment la chose que je préfère parce que j'adore être dans la nature. Ce que j'aime dans mon travail, c'est le contact avec les clients. Quelque part, j'aime rendre service parce que ma clientèle, elle est constituée essentiellement de personnes âgées et notamment de femmes seules. Mon rôle, ça se limite pas seulement à aller tondre le gazon ou aller bricoler chez les gens. C'est aussi prendre le temps de boire un café avec la personne, de discuter 5 minutes. Et ça, c'est la partie que j'aime dans mon boulot. On tisse un lien avec les personnes. J'essaye d'être très réactif. Dans la mesure où quand les gens m'appellent, dans la semaine, j'essaye de leur faire leurs travaux ou leurs devis si c'est un devis à réaliser. Donc pour les gens qui ont des travaux de jardinage ou de bricolage à réaliser, je peux à peu près tout faire. Par exemple, j'ai un client chez lequel j'entretiens le jardin qui me laisse libre champ, il m'a donné les clés, il m'a donné le code de son alarme. Donc quand il est parti, parce que c'est une personne qui voyage beaucoup, quand il est parti en voyage, je vais chez lui, je tonds le gazon, je taille les arbustes, j'entretiens le potager. Et quand il rentre, tout est fait. Alors il est content parce qu'il n'a plus qu'à aller cueillir les fruits dans son jardin, parce que l'arrosage est fait, la taille des arbustes est faite, le gazon est tondu, donc il n'a plus qu'à aller se détendre dans son jardin, puis cueillir les fruits dans son potager. J'interviens sur Reims et sur les alentours, environ 25 km aux alentours de Reims. En conclusion, avec moi, le bricolage se fait sans s'en rendre compte.